être en colère. Trouver les mots qui rassurent, c'est l'une des missions de Laurent Renaud. Le maire de Cranchaban est ici au chevet de l'une de ses administrées. Suite au séisme, la maison de cette dame a été mise sur liste noire. Interdiction pour elle de rentrer à l'intérieur, ne serait-ce que pour prendre des affaires. C'est donc l'édile qui va s'en charger. C'est mon rôle de les surveiller et de les protéger, quoi. Je veux dire, et dès qu'il y a quelque chose, une anomalie, je préviens les familles quand ça ne va pas. Mais là, dans ces circonstances, oui, il y a une certaine osmose entre nous et voilà. Un peu plus loin, c'est une autre maison qui occupe l'attention du maire. Le mur de Ludovic s'est effondré. Laurent Renaud prend le temps d'évaluer les dégâts. Je vais leur dire quand même que c'est une injuste. Hein. Heureusement qu'il est là, justement. Il a été là dès le début, dès les premières minutes. On l'a vu, il est là pour tout le monde. Il répond à toutes les questions. Il prend le temps pour tous les habitants, puisque chacun a ses cas particuliers. Et c'est ça qui fait aussi sa force. Ouais. Est-ce que tu peux venir me rejoindre, rue Brest, ouais, oui. Pas de répit pour l'édile. Dans une rue adjacente, un mur menace de s'effondrer. Il faudrait qu'on mette la rue en voie unique. Ouais, avec des barrières et tout. Avec des barrières. Tout le monde est sur le pont. C'est donc Laurent Renaud qui installe les barrières de sécurité lui-même. Là, aujourd'hui, on est obligé d'être tout terrain parce que j'ai. Ben voilà, ça, c'était pas prévu. Après, le rapport de mon chef de centre, ben, pour sécuriser de façon à ce que ça tombe pas sur la route. Retour à la mairie qui ne désemplit pas. Pour le seconder, le maire a réquisitionné sa femme. Avec les moyens, mais bon, voilà, on essaye. Mais bon. Oui, on sent, au moins la journée, on ne se voit pas beaucoup. Voilà, c'est le côté cocasse de la journée. Voilà. Alors, je pense que l'air, ça va tenir, mais voilà, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a du monde derrière moi et même la population derrière moi. Donc voilà, après, on verra bien. Le principal, c'est que tout se termine bien et que tout, on ait trouvé des solutions pour tout le monde. La semaine risque tout de même d'être longue à Cranchaban. Une centaine de maisons doit encore être expertisée.